C'est parti pour le son. 1, 2, 2. C'est parti pour le son. C'est bon. 1, 2, 2. Salut à tous et à toutes, c'est... Oh oui, vas-y, vas-y, te fais pas écraser, c'est bien. Salut à tous et à toutes, c'est... Bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Assassin's Creed 3 Remastered. Donc du coup, on a enfin fini la plupart des quêtes annexes qu'on pouvait faire dans cette séquence à Boston. Parce que je pense qu'on est revenu à Boston dans une autre séquence. Hein. Donc il y aura peut-être autre chose à faire, parce qu'on n'a pas trouvé tous les trésors. Hein. On a marqué 6 sur 8, alors qu'on avait vraiment tout fait, on avait acheté même les cartes et tout. Quoique, je crois qu'il manquait encore des sous pour... pour un truc, mais ça on le fera quand on reviendra une nouvelle fois à Boston. Voilà. De toute façon, je pense qu'il y aura quelques petits épisodes bonus, mais voilà. Sur ce, on va enfin pouvoir avancer dans l'histoire. Je rappelle que on était donc dans la maison d'Avenport, dans le domaine d'Avenport, chez Achille. On avait fini bien sûr notre formation pour devenir un véritable assassin. Et du coup, à ce moment-là, on a pu recueillir nos blessures, la tenue. Du coup, au même moment. Il y a un de nos anciens compatriotes de notre village indien qui est venu nous demander main forte parce que quelqu'un voulait racheter les terres du village. Et cette personne n'est d'autre qu'un templier, donc qui est sur notre liste qu'on doit éliminer, bien sûr. Donc du coup, après avoir fait moult et moult péripéties, c'est-à-dire les coffres en frontalier, les coffres, les almanachs et les contrats à Boston, et des forts aussi, parce qu'on a fait quelques forts, enfin, on peut enfin attaquer la quête principale. Voilà. Et les plumes, j'ai oublié les plumes aussi. Allez, c'est parti. Ah, Connor, te revoilà. Que viens-tu faire à Boston? Te voir. Si vous le permettez, mes amis. Merci, Connor. Cette conversation allait prendre mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Ouais, William Johnson. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais tu possèdes une esclave. Suri, j'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, nous accrochions à ces pratiques barbares. D'accord. Alors combattez, Sam. Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Dis ça à mon voisin, obligé de loger des troupes britanniques. Ou à mon ami qui a fermé boutique, car son commerce irritait la couronne. Ces gens ne sont pas plus libres que Suri. Tu me donnes des excuses, pas des solutions. Les gens devraient tous être égaux. En même temps. Certains devront attendre. Il faut faire des Hey ! Cette maison est à moi, quoi qu'en disent les percepteurs ! Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire eux-mêmes ! La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont l'enfoncer. Ah ! Assez, défoncez la porte. Ah ! À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Continue seul, je te retrouverai à l'endroit convenu. Ah, je crois qu'on va aider le... Alors, le gars, c'est ça. C'est tout ? Ah, attends. Hop. Ah là, mais c'est pas vrai. Mais non, mais j'ai appuyé sur rond. Voilà. Il est où? Ça ne vous appartient pas. Voilà. Justice est faite. J'attends leur congénère de pied ferme. Ça va aller? Ah oui. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Merci, mon ami.
Je t'offrirais bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. D'accord. Tout ça pour ça. Ok. Retrouver Sam à la réunion. Garder. Ok. Garder le niveau de notoriété inférieur à 2. Bon, ça veut dire qu'il faut éviter le combat pour eux. C'est bon. C'est quoi ça? Ah, il y a des missions de libération. Ah bah attends, on va les faire. Attends, on y est. Voilà, bah, ça sera pas. Mais non, à chaque fois, une fois, je trouve toujours autre chose. Mais poussez-vous! Il faut aller payer la... le truc. Dieu bénisse les âmes généreuses. Voilà. Salut à la deuxième personne qui vient d'arriver. Oh non! Ah là là. J'aime pas. Ouais, je vais mourir. Mais non, je suis mort. Salut à deuxième et troisième personne qui sont sur live. Installez-vous, faites-vous plaisir, allez-y. Je vais mourir bêtement. Je sais pas si ça compte pour mon objectif optionnel. Qu'est-ce que j'aurais aimé avancer ma histoire. Ah non, c'est bon, ça compte pas. Je me trompe toujours de tous. Eh, sérieux. Ça va pas. Attends, j'avais laissé quoi. Je vais essayer la dague de pierre, on va prendre la dague de pierre pour ça. Il n'y a plus rien là? Dans le coin. Je crois que c'était. Ouais, c'était 3 du coup j'avais vu. Gardé. Allez, tirer en haut. On va essayer de faire le contourner pour voir si on peut passer. Là déjà il n'y a personne donc c'est bon. On a pu passer. Ah non, t'es obligé de combattre et non et, griller notre truc. Je me suis fait bouffer par les moustiques, c'est horrible. Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'importuner chez moi. Ces collecteurs se font... de plus en plus pressant. Il nous faut réagir, Samuel.
Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. La colère gronde sur les quais en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ses hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor ? Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. J'ai rien compris. Détruisez Connor, les chargements de contrebande. Retourne sur les quais et assure-toi que ce thé est détruit. S'il te faut de l'aide, reviens nous voir. Et elle est où ? Allez, cherchez la sortie. Attends, ah, parlez. Bonjour, Connor. Ce thé a été introduit illégalement à Boston par les hommes de Johnson. Si tu vois certaines de ces caisses, tâche d'empêcher leur livraison. Et ces maudits collecteurs d'impôts s'y visent toujours. Ils ont besoin d'une leçon, hein ? Ok. Donc on a regagné les quais. Mais aussi on peut s'occuper du thé qui est arrivé du coup à Boston. Je me trompe pas. Ah ! Pardonnez-moi. Oh, c'est pas vrai. Faut poursuivre. Limiter les âges des armes à feu. Oh, attends, c'est où les quais ? Ok, c'est ça, cette direction-là. On va prendre celui-là déjà. Hop, c'est là-bas. Je pense que c'est autant ça. Miloule. Ça fait qu'on prend et détruisez la marchandise. Qui m'a ciblé ? A ciblé ? Voilà. Du coup, il m'en manque encore un, il me semble. Pour l'instant, arme à feu, on va utiliser. Limiter les âges des armes à feu, 0 sur 6. Mais si j'en fais 0, c'est bon normalement. J'espère, parce que j'ai pas envie de tout refaire. Enfin, je referai pas tout de toute façon. Envie. Alors là, et du coup, on arrive sur les quais. C'est là ? Ouais, c'est là. Contrat de libération. Ah, d'accord, il y a un nouveau truc. On le fera quand on... C'est sûr, quand on reviendra. C'est-à-dire, bah, nous pouvons détruire un chargement de contrebande. Alors, attends.
on va déjà éliminer cela. Et le baril de poudre. Ah, c'est là. Ramasse objet. Ok. Ça, il me faut une arme, donc il fallait être son arme. Tu peux faire ça en silencieux. Ah, vous êtes un bruit, c'est bon. Joli. Et j'aime les mises à mort. Allez, viens là, tac, tac. C'est bon. Et du coup, il est où le truc? Et donc, il est... Ah, ben voilà, parfait. Et le dernier. C'est bon. Et le dernier qui est tout là-bas au fond. Allez, je vais revenir comme tout. Attends, on va d'abord les éliminer eux là. Voilà. Du coup, on prend ça. On fait ça. Et là. Et là, tout le monde meurt. Voilà. Libérer les districts de l'influence des Templiers. Ah, voilà, fini. Cool. C'était bon. Cool, on a fini. Ah, alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Non. Bah, du coup, on va continuer. Donc, du coup, on va continuer à faire la quête. On va faire la quête principale. Enfin, le scénario. Hein. Allez, vite, accélère, connard. Bon, donc, du coup, on a détruit le dé. Dommage. Bon, après, c'est pas un truc que moi j'aime bien. Donc, franchement, vous voyez des trucs, vous voyez pas des trucs. Je m'en bats avec la cacahuète, puisque c'est pas mon trip de thé à la base. Voilà. On sent que ça commence à gronder. On sent que l'indépendance devrait pas tarder à arriver, je pense. On sent la guerre. Mais il me semble, comme je l'ai dit, il me semble qu'on fait quelques batailles. Alors, peut-être pas toutes les batailles, mais je pense qu'on doit faire une ou deux grandes batailles. On doit faire deux grandes batailles, il me semble, dans le jeu. Parce que je sais qu'à un moment donné, on est allié avec Washington, il me semble. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à un moment donné on fait un combat avec l'armée de avec les patriotes de Washington.
Stéphane, qu'y a-t-il? Où est Sam Adams? Je m'en moque! On m'a volé! Oh, ils vont me le payer, ces sales scélérats! Où est-ce que tu vas? Reprendre ce qui m'appartient! Défendre les chapeaux. Temps passé en conflit ouvert, 15%, limiter la perte à 33% et je vais donner pour la suite. Oh mais regardez-moi ça! Ces maudites tuniques rouges me tendent la joue! Viens sortir ton visage au rouge de ta tunique! Voilà. Ces bandits me prennent mon père au Canada. Et voilà qu'ils me ravissent ma propriété. Ici! Ça suffit. Ah, on fait le soulèvement du peuple. C'est ça? Bah, c'est ce que je comprends. Attends, on va essayer de passer par derrière. Stéphane, arrête! Arrête et écoute-moi! J'en ai assez d'écouter. Voilà. Je viens dans ma demeure. Me prendre mes affaires. Rien, c'est pas ça. Je vais me venger. Celui qui a ordonné ça va payer. Et ses amis aussi. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont goûter de mon courroux. Tu cherches la bagarre, l'anglais? Je ne vais pas te décevoir. Eh oui, non, mais... Oh là là. Il reste 4 secondes, ça va être chaud. Peut-être les 30%, je vais réussir, mais alors là, les 5 morts passives, je sais pas quoi, j'ai pas compris ça. Mais c'est pas vrai, hein. C'est pas réussi. Cette injustice mérite d'être réparée. Mais pas comme ça. Pourquoi 2 sur 5? Eh, mini 2. Pas tout seul. J'ai des gestes, un son. Et pas de son. Je vais sortir ton vide. 3 sur 5. Ah, j'ai échoué. Dommage, j'ai compris la fin. Espèce d'incapable! Vous croyez que je vais annoncer à Johnson que son thé a pris feu par enchantement? Crétin! Il y a forcément un responsable, et tu vas trouver qui c'est! Et si tu échoues, je t'étrifferai, et je confierai la tâche à moins stupide que toi! Que comptes-tu faire? Ouvrir une porte. Utilisez vos recrues au combat ou activez leur capacité unique. Maintenez un enfoncé. J'ai des recrues.
comprends rien. Mais qui es-tu, bon sang? C'était sacré, ça. Pourquoi vous n'avez pas le droit de spolier les gens? Avec ou sans l'aval du Parlement anglais? Le Parlement anglais? Je travaille pour William Johnson. Johnson? Achève-le sans souffrance. Pitié! Sans souffrance, on a dit. Les gens semblent écouter tes paroles. Mais que vont devenir tes biens? Si les gens m'ont écouté, c'est parce que je leur ai hurlé la vérité au visage. Cela vaut bien 1000 fois le contenu de mon coffre. Les Anglais, ils peuvent se les garder, mes biens. Tu as bien agi, Stéphane. J'avais promis de t'offrir une bière quand tu m'as aidé. Mais maintenant, je suis prêt à t'offrir ma loyauté. Ton aide est la bienvenue et je t'en remercie. Maintenant, allons retrouver Sam Adams. Ok, ah, toujours c'est quand c'est ok. Ah voilà, on a pas fait. Ah ouais, ah, c'est les assassinats qui doivent monter, je pense. Chercher les missions avec Zikon pour libérer les districts d'influence des Templiers et gagner. Ah cool. Ah d'accord, on gagne des recrues. Ah ouais, mais je savais pas ça, je m'en... Enfin si, je devais le savoir, mais j'avais oublié. J'ai bien envie d'en gagner quelques-uns. On va faire une mission de libération, hein. Ouais. Mais j'avais complètement zappé qu'on pouvait faire ça aussi. Là, j'avais complètement zappé. Ça, c'est... ça. Pourquoi ça va pas marquer. Certaines choses m'ont marqué dans le jeu, d'autres non. Ça, ça m'avait pas marqué du tout. J'ai complètement oublié qu'il y avait encore ça. Puis ça, c'est plutôt pas mal en même temps. Parce que, alors, on reconstitue, si vous voulez, l'ordre des assassins en Amérique, hein, qui a été déconstruit. Et ça, on le verra dans l'épisode de Rogue. Si je ne me trompe pas. Maudit voleur ! Déguerpi, si tu veux te faire cogner, approche. Passe ton chemin. Il n'attrapera pas. Et cassez-vous. Désolé pour le cheval. C'est gentil d'avoir essayé. Peu de gens l'auraient fait. Voilà.
arrêter les brigands car ça ne marche pas. Il y a du peuple, il y a trop de monde. Je dois pas combattre. Voilà, tout ce peuple. Il vient de se mourir sur moi. Hein. Voilà. C'est pas possible. Mais non! Ah mais c'est un peu normal aussi là. Je suis un peu vu par ce monde. Qui me voit? Ah c'est... Oh là là, mais c'est pas possible. Eh mais j'y arriverai pas. Ah, ils sont 40, ils arrivent après derrière, les uns derrière les autres. Oh là là, mais c'est pas vrai. Ah mais ils ont pas fini ça. Oh là là, mais... Ah, mais j'arrive déjà derrière les autres. Ah. Voilà. Mais c'est pas vrai. Il y a combien?
ça va pas. Tant mieux, comme ça au moins, j'ai été désynchronisé, comme ça au moins peut-être je retomberai dans l'anonymat et ça me fera plaisir. Alléluia, c'est peut-être ce qu'il fallait un peu. C'était une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Voilà. Ah mais c'était dur. Mais non, mais vas-y. On devrait peut-être se secouer. Le patron est en train de perdre patience. Ça fait bien une heure. Oh là là, mais je vais passer, merci. Il est temps de le remettre au travail. Ah mais c'est pas vrai. Mais vas-y, j'avais appuyé. Oh là là, c'est dur, hein. Le jeu est de plus en plus dur. Allez, le prochain à être sauvé. Non. Ah c'est bon, j'ai eu peur. Ah Gina, il va pas m'en faire encore le coup comme tout à l'heure qui se bat, hein. C'est bon. Ah ça m'avait saoulé ça. Je crois qu'on va essayer de finir les missions de libération et après on s'arrêtera là pour cette partie.
rien. C'est pas vrai. C'est bon. C'est bon, il y a deux. Ouf. Eh, c'est chaud quand même. De deux, et du coup on va faire celui-là qui est là-haut parce qu'on est monté tout en haut. On a galéré quand même au début là, oh là là, ça a été dur hein. Certains passages sont vraiment très très sont vraiment ardus quoi. Là. Et voilà, bon, on a enfin réussi à faire les trois. Parler à votre contact dans le district. Alors attends, du coup on va sortir de là. Oups, on descend. On descend parce qu'il faut que je fasse vite descendre mon autorité. On va se repérer. C'est là. J'ai eu peur de la porte. La porte ici, quoi. Alors, où est-ce qu'il est? Il y a personne? Bon. On va essayer d'avancer. On va voir, peut-être on va faire un autre. Je sais pas. On va voir si j'ai le temps, sinon tant pis, c'est pas grave. On s'arrêtera. On s'arrêtera là, parce qu'il y a 5 minutes de vidéo, donc ça devrait. Normalement, ça devrait pouvoir faire au moins un. Peut-être les derniers. Peut-être une dernière libération, je ne sais pas. Voilà, un tout petit peu avancé dans l'histoire. C'est très 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 léger. On a quand même dépassé les 10 heures de jeu, c'est quand même plutôt pas mal déjà. Sachant que normalement une base moyenne de jeu c'est 8 heures, hein, vous avez pu le voir, les dernières c'était vraiment près de 8-10 heures à max, je crois que c'était les Dead Island, il me semble que c'était 8-10 heures maximum. Bon là on a largement dépassé, hein, voilà. 8-10 heures, ouais, si on aurait fait que les quêtes principales, ouais c'était 8-10 heures. Quête annexe, je crois qu'on a dépassé au moins 15-20 heures. 15 heures. Pour le premier au moins 15 heures, parce qu'on a eu une deuxième saison très très courte d'ailleurs. Et sous Mando, on a eu pas de deuxième saison, on a eu que une seule. Parce qu'on a fini. Voilà. Et on est en train de refaire d'ailleurs le premier. Actuellement,
en live sur YouTube. Au moment où je parle, on a... non, au moment où je parle, où je fais la vidéo, on a arrêté pour l'instant. On s'est concentré sur les Outlast, mais on va très vite reprendre. Peut-être que la vidéo sera diffusée sur YouTube, certainement. On l'aura déjà fini, je pense. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi cette saga de live, cette série de live sur Dead Island, dans laquelle j'ai tourné et retourné le jeu à fond la caisse, que ce soit en solo ou en duo. Ce serait pareil de bien même. C'est pareil de tout au même. Bon, on y est presque, donc on va pouvoir faire cette dernière libération. Et ensuite on s'arrêtera là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, demain il n'y aura pas de live sur Assassin's Creed parce que ça sera du coup sur YouTube. On fera du The Evolving, on fera le troisième épisode je crois. On va un petit peu avancer, je sais pas où on en est dans l'histoire. On en est au cinquième chapitre dans le jeu. Donc au moment où je parle, on en est au cinquième chapitre. Donc on a plutôt pas mal avancé. J'espère pouvoir encore bien avancer dans les prochains jours. J'espère essayer de finir rapidement pour essayer d'en faire le plus possible de le plus de jeux possible spécial horreur sur YouTube, sachant que bon là en ce moment on fait du Outlast et du et de The Evil Within, donc voilà, il y a assez pour l'instant. Laissez-moi, je n'ai jamais voulu devenir soldat. Voilà, poursuivi et tué. Et ouais, mais c'est gentil, sont... mais ces recruteurs n'abandonnent jamais. Et on doit faire quoi là? On a fini? Ça y est? Bon, on va faire une toute dernière. J'ai pas activé le truc. On va faire une toute dernière. Ce sera la dernière, après on s'arrêtera là. Je vais commencer par là. Et vite, parce qu'en même temps, si mon téléphone il va pas tarder à s'éteindre, dans pas longtemps. Allons-y, vite! Garde tes disques. Vous êtes un grand héros. Bon, on va s'arrêter là, les amis de Geek City. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour, à laisser un petit commentaire sur la vidéo. Quand on vous donnera rendez-vous très rapidement sur YouTube pour une nouvelle aventure, sachant que au moment où je fais donc les lives de Assassin's Creed 3 Remastered, on est en train de faire des lives sur Outlast le soir. Donc, si vous regardez la rediffusion entre le 29/09/2020 et le 31/09, et quelques jours après, voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube et regarder les vidéos de Outlast et de The Heavy Within. Pour le moment, c'est les jeux qui sont en live sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À triple aventure, c'était G pour Geek City. Je vous dis à la prochaine. Ciao.